Alors que dans un moment, nous t'ai posé question, kidnapping n'importe quoi, en vogue comme ça. Maintenant, hier, gagnant pour pipiti 7 moun qui kidnappé, bon, il y a un ami qui dit pour pipiti c'est 10, mais un chiffre officiel, bon, l'homme dit officiel, ça parlait dans la presse, c'est pour pipiti 7 moun. Il prend 3 élèves canadiens, il prend yon. Yo prend trois élèves canadiens. Oui, selon fille ou garçon. Yo, bon, m'pa gagner tout détail yo. Mais dans route de la montagnière, yo prend plusieurs monde, gon zami même qui confirme même yo prend yon monsieur qui lui-même gagne business yo kembel yo prend dans route de la Réunion hier. Et vraiment, yo prend plusieurs monde hier. Après ça, ingénieur, yo prend ingénieur c'est pas quoi. Et Paco, jusqu'à route de la montagne. Et Canada, c'est toujours Paco, c'est oui, la même zone. C'est la même zone, oui. Avenue N, c'est dans la zone ça. Et pour Pipiti, et 7 personnes kidnappées hier seulement. Je me rappelle, quantité de personnes, bon, c'est presque chaque jour, et personnes ont kidnappé dans le pays. C'est dans le même contexte. Ça. Et le président, quoi, lundi dernier, a affirmé que. Sous tribune des Nations Unies pour te dire dans réunion Conseil de sécurité des Nations Unies le président te dit clairement kidnapping nan li diminué considérablement dans le pays hein? Et avant-hier c'était avant-hier que il était fait il était annoncé un ensemble de mesures c'est avant-hier on a parlé national côté que dans cadre de conférence il annoncé un ensemble de mesures comme toujours. Au lendemain de annonce ça hier moins alors environ 7 monde pour petit 7 monde kidnappé juste alors, pour dire Dabin, juste pour dire de dernière heure gon prado blanc gon prado blanc mais ça même arrivé tout bouquet service de l'état et tout bouquet gon prado blanc t'as tenté kidnapper mon mais population barreli la police rivée. OK donc ça veut dire que la police rivée. OK et pour finir toute la classe SE on service de l'état. OK selon DCPJ à la veille dans DCPJ non on a parlé là selon information bon le bon ami qui voyait plaque là moi et alors et numéro c'est nous font pile attention avec plaque oui bon c'est SE m'a bail numéro mais ça selon ça ont mis envoyé moi c'est on et pas ici brancher matin débat parce que nous qui toutes les forces. En tout cas Isaïe César voilà nous t'a dit et que au lendemain, le César du matin débat. Au lendemain de déclaration président qui a annoncé qu'il va monter commission pour combattre le kidnapping. Eh bien, pour montrer que le président, ben, ouais, il a montré que le président, c'est pas l'île, pas limite là. Le lendemain de déclaration président, pour pipiti, 7 personnes kidnappées. Par contre, ouais, en pleurs là. Quelques jours avant, 8 jours de cela, le président a annoncé que le kidnapping a diminué considérablement. Or, rapport, les Nations Unies ont parlé de kidnapping qui a augmenté à 200% dans le pays. De 2020 à 2021. Commencement de l'année 2021, le kidnapping a augmenté de 200% dans le pays d'Haïti. Président, sous tribune des Nations Unies, lui-même dit que le kidnapping a considérablement diminué dans le pays. Hein? Lundi, il a annoncé un ensemble de mesures pour dont la création de une cellule anti-kidnapping pour combattre le kidnapping. Au lendemain des déclarations, hein, pas moins de 7 personnes kidnappées. Et avant ça, entrepreneur, ça a été kidnappé dans la zone Mariani. Qui a demandé 5 millions de dollars 500 millions de dollars pour lui. Et 500 millions de dollars s'il vous plaît. C'est pas discours. Non mais c'est presque réserve BRH oui. Réserve BRH c'est pas près de 800 millions. Hein? Il a demandé 500 millions de dollars américains pour la gueule. Comme conséquence, gagné et une association qui regroupé ensemble de propriétaires
de pompes à yo qui annonçait là près de 275 pompes à fermer là dans tout le pays en guise de protestation. Son famille cap dégager cap bat corps mais cap bat de la banque non seulement ça tout mais son quelques famille. Jours avant machine ni boulé il était business qui était boulé il était trailer pour un homme frère non parking j'ai gon parking que le con bay moun mette machine il a dit pourquoi donc yo boulé machine dans parking ça dit monsieur vient du man responsable il a oublié à prêter la banque pour capable dédommager moun. Et je veux dire là, yo qui t'appelle, j'ai demandé 500 millions et vraiment. Bon fois tu gon tuer là tout tu reprend tuer là. Oui. C'est même là j'ai demandé monsieur 100 000 $ américains. Même là j'ai demandé monsieur 100 000 $ américains, il va la caper. Voilà que puis jusqu'on y a les nan mais et ravisseur yo. Tout ça yo pour nous dire qui ça. Alors, faut pas oublier tout, docteur pas dit que dimanche kidnappé yo touyé dans avenue Christophe ou pas remarqué hier gon mot yo pas utilisé encore lâchement assassiné lâchement bon yo, oui, ici oui. Tellement fait la répéter la répéter pas répéter hier bien matin nous parler de cette pour pipiti hein pour pipiti nous prend précaution pour nous dire pour pipiti cette monde kidnappé hier encore une infirmière qui tape sur de faire une transaction la banque Boudamoun et votre frère eh ben yo assassiné dame nan yon infirmière d'autre yon infirmière yon infirmière qui tape sur la banque comme moun sa ou touché elle dit il va ka sur chercher l'argent non yo assassiné juste pour me dire qui ça dans pays là nous fait un constat c'est à chaque fois nous songe ou te kidnappé yon le chauffeur bus secteur transport syndicaliste yo té campé et campé travail fait grève au déjeuner libération yo té prend docteur et yo campé travail et pour té jeune pour demander libération yo prend c'est-à-dire c'est n'a regarder ensemble des monde qui kidnappé dans pays hein c'est tout secteur net qui touché. Mais malheureusement, c'est chaque fois, c'est chaque secteur qui est touché, secteur ça a campé pour protester, pour demander libérer. Chaque, yo prend étudiant, alors yo prend professeur, étudiant campé pour libérer. Yo prend infirmière, ou alors là, y a une grève qui est annoncée là, et pour yo on joue à deux jours. Yo prend avocat. Yo prend avocat on dans la rue pour demander libération, yo protester pour libérer. Mais nous pourquoi jamais rendre nous compte, mais pas qu'on connaît. Ensemble de société hein, tout secteur yo poko jamais chita pour dire tête yo hey c'est nous toutes qui concerné ces pays hein c'est société hein, si pas gon bagay qui fait eh ben finalement pays hein on compte de dire un pays pas qu'on mouri eh ben nous presque arrivé dans route côté que pays hein pral mouri dans sens si tout entrepreneur ça yo on a dit chaque ça au prend et puis quelque là dedans yo dit yo pas arrêter encore yo quitter pays yo fermer business yo tout secteur ça au ta camper est-ce que la question est-ce que pas une nécessité dans moment n'a pas lien là on monde ta pas d'accord on pas mande pour d'accord est-ce que pas une nécessité pour tout secteur dans pays hein eh ben prend pause sous activité yo pour mander pour forcer autorité yo pour forcer l'État assumer responsabilité. C'est la question. La fête de toute façon, parce qu'elle pas arrêté comme ça. Nous on doit dire, c'est avec désolation, nous est ça passé dans le pays. Hein? Avec toute désolation, nous ouais, et gain monde qui t'a placé, hein, qui t'a doué là pour conseiller population sur question vigilance. Pour conseiller population pour faire solidarité et pour combattre ça son pays fini non. Son pays fini parce que écoutez nationalement on pas qu'à circuler nationalement on pas qu'à produire nationalement on pas qu'à faire aucune activité donc hors pays a pas qu'à kembe sans pas gain touriste sans pas gain monde qui rentre même petit pays a pas qu'à rentrer là-dedans donc ça veut dire que son bail qu'a fini Maintenant, suivre
gardez, suivez sous télévision, gardez sous télévision, mais tendez dans la radio. On s'est eu de monde où t'es pensé, un minimum de compréhension, même si vous avez intérêt dans, à droite, à gauche, mais ouais. Moun nou te pense gen conscience ou pa wè kote conscience la et ouais. Il y a pas de conscience, il y a pas de conscience et on ne peut pas faire confiance à n'importe quel individu. L'information a été confirmée à un certain niveau, mais il ne s'agissait pas de kidnapping jusqu'à date, jusqu'à présent n'a pas l'air là. Pourquoi gen cas de kidnapping qui a confirmé par question de Prado ça. Selon première information qui t'a sorti dans DDO, c'est un Prado blanche. Et de couleur blanche qui et la police était campée lui franchit et après la campé côté on équipe monsieur taxi et de là yo intercepté et chauffeur là et moun qui était occupant machine là on a parlé là yo allé avec yo dans le CPJ pour qu'on ait de quoi s'agit-il pour qu'il ça ait été couru mais jusqu'à présent on a parlé là. Nous pouvons parler de kidnapping. Ok. Mais la police tout parce qu'il va connait qui saute de policier. Mais la police est tirée derrière machine là parce que il était couru. Ok. Mais la police est pour camper. Ouais. Hein? La police est pour camper. Donc je dis à là, nous on a parlé là, dossier à DCPJ et dans quelques heures là, nous allons connaître exactement qui s'est passé. Est-ce que Gomba est louche dans la machine là? Mais l'essentiel c'est que il reste à la police nationale de confirmer l'authenticité de cette information. Mais l'essentiel, une chose est claire, c'est que Gompré à Doublan, qui la police t'est campée, les courir, chauffeur a couru et population a aidé la police qui est Prado et de fait on a parlé là. Prado ça, Prado blanc ça, l'île de CPJ. Parallèlement, Esaü et Guillaume Bus qui t'a fait. Mais c'est pour éducation nationale. Ok. Prado c'est pour éducation nationale. Ok. Alors, et Guillaume Bus qui a assuré transport de Haïti vers la République Dominicaine qui était essuyé. Oui, plusieurs cartouches. Rassemblé plusieurs cartouches. Quatre personnes qui prennent balle. Quatre personnes qui blessé là dans la zone Papaye, hein, sous route Malpass. Et vraiment situation hein, vraiment compliquée Haïti vraiment c'est situation vraiment compliquée et là pour pays hein, et gagner bon pas besoin parler de peur encore et ça qu'a fait là li intenable li insoutenable mon pas qu'à vivre dans une société comme ça dans un pays comme ça et c'est question ça que monsieur pose t'aller hein, est-ce qu'il pas une nécessité pour tout secteur t'a fait front commun pour t'a mettre mais ensemble pour forcé et autorité au mieux même assumer responsabilité au que auditeur a gagné pour répondre dans émission ça et incessamment nous parler avec éditorial Lampier Matin avant nous à recevoir Jean Rebel d'Orsena n'a rappelé qui c'est commissaire dans CNDDR qui c'est commission nationale de désarmement de démantèlement et de réinsertion. Titre éditorial lancé Yuri la tortue et son amour maternel. L'on ne se rappelle pas combien d'électeurs dans le département de l'Artibonite ont voté pour le sénateur Yuri la tortue. Pourtant, pendant son règne, il n'avait fait confiance qu'à sa mère. Selon toute vraisemblance, c'est l'ancien parlementaire qui avait accompagné sa maman au bureau de vote le jour du scrutin. Monsieur la tortue a dû se convenir avec émotion que c'était bien lui-même qui, sans égard pour l'intention de vote de sa mère, avait voté à sa place. C'est à croire qu'entre mère et fils, le vote n'est pas personnel. Ce jour-là, dans l'isoloir, il y avait eu abus de confiance, paraît-il. Le rejeton avait peut-être trahi les préférences électorales de sa génitrice. Il en est conscient. Il devait réparer ses écarts. Ainsi donc, la maman bien-aimée du sénateur était, aux yeux du parlementaire, la seule et unique personne de confiance
pouvant gérer les fonds servant à rémunérer le personnel du bureau. La maman, âgée de plus de 80 ans, employée de son fils, qui s'est fait une réputation d'homme sérieux en combattant la corruption, n'a jamais été blâmée par son fils. C'est la preuve incertaine que le patron a été satisfait du travail accompli. Mais ce n'est que la satisfaction personnelle du sénateur. Les autorités judiciaires devront chercher à savoir combien de chèques la mère du parlementaire a pu monnayer et ce qu'elle en a vraiment fait selon les instructions en rapport aux tâches qui lui sont assignées par son fils. Même à pas de tortue, on doit aller vers la vérité pour ne pas porter préjudice à la mère du sénateur La Tortue. À cet âge, on n'apprend pas à voler ni à détourner les fonds publics. Toutefois, il ne convient pas de tirer à boulet rouge sur le dirigeant du parti politique Haïti en Action, AAA, dont le mérite a été de mettre une femme de plus de 80 ans au travail dans un pays où les jeunes sont fortement exposés au chômage, Robinson d'Haïti. Voilà, c'est éditorial Matin Débat pour mercredi 3 mars 2021. Nous allons faire contact avec Robinson d'Haïti et pour nous capables commenter éditorial si là et nous allons rapidement vraiment faire contact avec Robinson qui pral lui-même porter plus explications pour nous sous éditorial ça. Robinson oui. D'Haïti, bonjour, comment nous y est? Bonjour Matin Débat, bonjour Josué Lexidor et Esaïe César, Pierre Martin à tous et Louko Désir au côté lien parce que beaucoup d'Andel. Bonjour à toutes auditrices et auditeurs qui attendent émission et je dis donc plaisir pour nous ensemble pour nous commenter l'éditorial ça qui titrait Haïti corruption, Youri La Tortue et son amour maternel. Et Youri La Tortue et son amour maternel, vous parlez de Haïti corruption. Là, et vous parlez de corruption, parce que Guéien est vraiment un scandale de chèque hein, qui, depuis quelques jours là, est occupé les médias sociaux, mais tout médias traditionnels au Benson d'Haïti. Il y a certainement un grand scandale de corruption et il se trouve que c'est maman sénateur Youri La Tortue qui est impliqué dans ce scandale ça et peut-être par personne interposée, comme dit personne interposée, c'est-à-dire par le biais de son fils Youri La Tortue, sénateur de la République et pour Pigor Jean-Louis Zadou, président commission éthique et anticorruption dans le Sénat de la République là. Évidemment, je crois qu'après ce scandale qui était pratiquement pété et dans Radio Méga avec le journaliste Ismaël Valestin qui était fourni des informations et détaillées, même par contre si au vrai, mais détaillées quand même, sur ensemble de et que maman, Youri La Tortue a touché. Et premièrement, on parlait d'un affaire de 800 000 gourdes. On sait qu'il était pour faire 4 mois de travail, en fait, personnel, bureau, et Youri La Tortue. Et puis, on parlait tout de. On perdait, qui était élevé à 360, qui était évalué à 369 000 gourdes comme ça pour un voyage à Paris du 20 août au 8 septembre 2017. Et je parlais tout d'un bon chèque que maman Youri La Tortue commençait à toucher depuis mars 2011 et à 2012, évidemment, et qui est valu à 97 166 gouttes. Donc, maman, sénateur, a recevant un pile cob. Il y a un cob lui touché lui-même personnellement, et puis il y a un cob que lui a géré lui-même pour payer et personnel bureau politique sénateur Youri La Tortue. Mais ça nous remarque dans l'éditorial là et José Lexidor, c'est que Youri La Tortue toujours parlait de personne de confiance. Parce que l'homme à mon vote, c'est qu'on fait confiance, José Lexidor. Comment se fait-il qu'une dame qui a plus de 80 ans, évidemment, et que c'est seulement lui-même et sénateur Youri La Tortue, ouais, pour le faire confiance. Avec autant d'électeurs, avec autant de jeunes qui
peut-être de voter pour Youri La Tortue, comment fait-il que c'est seul maman lui web pour faire confiance dans l'affaire l'argent qu'a rentré, parce que Youri La Tortue t'a dit, et très bien que lui t'a gagné d'autres coordonnateurs avant, et que le coordonnateur ça a été fait coup de mataille avec Kobio. Donc coup de mataille ça, on dirait qu'il n'a pas participé dans coup de mataille ça, et que si coup de mataille ça a fait peut-être à travers sa mère, et peut-être qu'il a bénéficié. Moi je dis peut-être, parce que Mbaye Poupi ça l'obligé fait, et une dame de plus de 80 ans, responsable au bureau politique, 80 ans ça dit beaucoup dans ce pays de toute manière. Dans au songer c'est bon le scandale de corruption côté ULCC Térélé, maman pas calé, la tortue ne s'est pas présentée, maman pas qu'à présenter le tout parce que son monde est qui va porter le bien. Donc moi qui va porter le bien et qu'on mette le gérant bureau coordonné en bureau politique pour donc quelque chose et là et ne va pas. Donc alors, il va passer une lumière pour faire sous ça. Robinson d'Haïti. Et alors question m'avait posé, le problème, est-ce que c'est à personne de confiance là, vu l'âge là, est-ce que c'est parce que l'âge là lit trop haut? Deuxièmement, est-ce que c'est parce que c'est maman? Troisièmement, de garder tout, est-ce que c'est usage qui fait avec Kobio, est-ce que l'agence a été vraiment et servir à faire ça que vous êtes destiné pour faire, hein? Qui problème non en soi? Bon, comme tout ça, si on a posé des informations qui étaient fournies dans les médias, en fait, papa, dans les médias, et généralement, nous prenons qui boit exactement l'information de bail. L'information de bail, on a beau sentir la parole avec Ismaël Valestin qui fournit une bonne information sur Sifio. Évidemment, Sifio là, pas de problème. Et madame Cantave, Qu'a travaillé. Vous croyez que tu as touché un fait de 97 166 gouttes comme salaire net et salaire brutal est élevé à 125 000 gouttes. Et qu'a travaillé, pas rien souci pour ça. Bon, l'autre secteur que le déroulé va quitter évalué à 800 000 gouttes pour payer bureau. Pas de problème, tout ça, là, pas de problème. Maintenant, le fait que sénateur a dit son monde de confiance, que monde de confiance là, c'est pas l'autre monde que c'est maman, c'est bien, barré pour qui raison, on peut pas qu'à faire maman confiance. Mais dans quatre d'espèces ça même, côté et mon poule coordonné en bureau politique, on monde de plus de 80 ans, là il y a à réfléchir, il y a matière à réflexion, et puis il faut nous demander, bon finalement, et qui s'est réglé entre eux, Youri La Tortue et sa mère, parce que c'est amour maternel, parce que moi je vais dire. Ce rapport entre Youri La Tortue, José Lexidor, et sa mère, il n'y a pas un rapport criminel, c'est-à-dire pour un détournement de fonds, etc. Son criminel, oui, Youri La Tortue compte ça très bien. C'est peut-être pas un rapport criminel, mais et avec des réserves, ma ville, ce matin débat, je me dis, c'est peut-être un rapport incestueux. C'est ça que moi-même, moi aussi, j'imagine. Incestueux, dans le sens que au moment qu'a couché avec les petits. Mais il se trouve que eux-mêmes, tous les deux connaissent Zaka Pabon. Tous les deux connaissent Zaka Pabon, mais il se trouve que maman, dans l'obligation de se taire et de protéger et cette information pour que la République par qu'on aime. Donc, un rapport de complicité, même un rapport incestueux entre la mère et son fils par rapport à l'agence qui tape manège, qui tape utilisé dans le Sénat de la République. Alors, Robinson d'Haïti et sénateur La Tortue, comme étant ancien président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, et Jean Parole l'a dit, la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Dans ce cas, la maman de Youri La Tortue t'a doué au-dessus de tout soupçon. Et c'est pas la maman de Youri La Tortue qui devrait être au-dessus de tout soupçon. C'est peut-être Youri La Tortue, comme bien Tortue. Voilà. C'est le sénateur Youri La Tortue qui t'a doué au-dessus de tout soupçon. Pour ça. Parce que là, au moment de s'en aller là, on pensait, faut nous réfléchir ça. Faut nous réfléchir, faut nous penser à une réforme contre les prêtres. Non. Parce qu'il se trouve que Madame Cantave a été instrumentalisée. Peut-être, on ne sait jamais. Parce que son prêtre non qu'il y ait. Tout comme ça, peut-être que Madame Cantave a touché 125 000 goudis, frère. 125 000 goudis, il a touché. Pour faire quoi? Ouais. Pour faire quoi?
Donc il y a lieu de poser la question quand même, 125 000 gouttes, et le commencer à toucher, premier chèque d'après information que vous comptez la parole de bail, il commence à toucher en mars 2011. En mars 2011 jusqu'au décembre 2012, ces informations par sa prime. Et même c'est une subvention de 100 000 gouttes. On perd un qui est élevé à plus de 369 000 gouttes. Mm-hmm. Pour qui ça, tout le bagage ça en réalité. Alors, question que nous sommes capables de poser, puisque nous parlons de 2011, que depuis 2011, il était coordonnateur, alors coordinatrice et bureau, c'est ça? Oui, mars 2011. Mars 2011. Eh bien, question nous sommes capables de poser tout, puisque c'est une question qu'on a posé. Pour qui ça c'est Kounia, et chèque ça prend la rue, pour qui ça c'est Kounia, dossier ça, lui-même n'y prend la rue. Bon, content pour tout le bagage, content pour tout le bagage. Quand même, il faut qu'on rassemble l'information et puis mettez-le disponible. Mm-hmm. Et puis, comme du tout, je ne veux dire, il y a eu la tortue. Bon, en fait, le fait que je chèque ça, je ne veux dire, avant le public, comme du tout, ça participe tout dans le cadre d'une campagne. Contre l'opposition, pas seulement contre Yuvel Atotu, mais aussi contre l'opposition, parce qu'on a Yuvel Atotu en face de Jovenel Moïse, si c'est ça disponible. Parce que, par exemple, l'idée que Yuvel Atotu était dit, que c'est tout le monde qui fait. J'ai toujours demandé que mon coordonnateur d'un bureau, et un coordonnateur, mon gros frère confiance, qui pour monnayer ses queues et payer Mounio, et qui a travaillé dans le bureau. C'est-à-dire, il y a un peu de monde qui n'a même situation avec Yuvel Atotu. Mais je trouve que c'est pas Yuvel Atotu qui sont idéaux, je ne veux dire, parce que nous avons une situation politique. Mais à remarquer, ça me vient là, nous devons être très clair sur ça, José Lexidor. Mm-hmm. Bon, là, je vais arriver, c'est difficile pour apprendre voler. Mm-hmm. Et c'est difficile tout pour un détournement de fonds publics. Public, yeah. Si, effectivement, comme ça, maman, vous l'avez toujours touché, tant qu'on perd IM, tant qu'on subvention, et puis c'est pour payer et personnel bureau politique, sénateur, là, là, nous avons une situation de prénom. Et penser pour qu'on réforme contre les prénoms, pour qu'on véritable campagne contre les prénoms, pour les prénoms, parce que lui créer ça prête le flanc à la corruption. Ça, faut que nous gérer ça, c'est clair. Ouais, alors, nous avons demandé tout, Robinson. Et c'est sûr, si il y a d'autres chèques, comme nous dit là, tout son bataille politique. Et oui, antérieurement, il faut toujours faire rappel que le sénateur La Tortue, il a été conseiller du président de la République, pas trop longtemps. Et conseiller de la République, et pendant le sénateur, il était, tout le président du Sénat, il était un proche du régime, du pouvoir. Et sa maman était toujours coordonnatrice de son bureau. Et il était toujours un chèque qui était toujours émis à son nom. Et donc c'est sénateur. Par exemple, les chèques qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux pour voir pour exploitation, en surexploitation des chèques. Non seulement pour capoter, bon. Pour affaiblir, pas pour capoter, mais pour affaiblir et Yuri La Tortue, mais pour affaiblir également l'opposition. Mais il y a un autre élément encore qui est fondamental. Yuri La Tortue, docteur en droit. Là, je veux dire, est-ce qu'on est, José Lexidor, qui est quantité jeune qui est au chômage? Donc, il y a un jeune, je veux dire, qui est exposé au chômage. Ah oui. Et nous pensons que Yuri La Tortue, qui est mérite, bien évidemment, hein, pour le point moment, pour le faire sortir dans le chômage. Son bagage qui l'aura, son bagage pour nous féliciter. Hein, au point moment, faire sortir dans le chômage à plus de 80 ans. On a payé ça à côté d'un pile jeune qui est dans le chômage. Moi, c'est à repenser. Mais quand même, il ne faut pas trop blâmer Yuri La Tortue et qui vivait dans la dynamique, dans pile l'obé, ça devient un pays à côté de mon bagage jeune travail, ou prend un vieux grand moment ou rien. Pour retirer dans le chômage au ballon du travail pour qu'il t'a touché 125 000 gourdes par mois. Et dans le pays, ça, côté, il y a un pile jeune et un pile qui possiblement t'est voté pour Yuri La Tortue, exposé encore au chômage. En tout cas, merci Robinson d'Haïti pour l'éditorial. Ça, c'est sûr que pour le gagner un pile réaction, pour le gagner tout, et discussion qui pourra le faire sous éditorial là, on a rappelé. Et numéro Robinson d'Haïti. Et merci Robinson. Et merci infiniment. Voilà. Et Robinson d'Haïti, ou capable de relayer Robinson
pour continuer faire débat avec lui sur éditorial là et au capable reler Robinson d'Haïti dans un numéro aussi là qui c'est 31 55 43 25 31 55 43 25 pour capable continuer faire débat avec Robinson d'Haïti sous éditorial que li écrit au dans émission matin débat Pierre Martin. Bon toujours même rythme là. Donc Robinson Kimber rythme là. Belle coup de plume. Grande réflexion. Et en plus pour mettre tout auditoire pour mettre auditoire matin débat sous main. Et porter plus lumière, plus clarté. Bah c'est équipe la fait route là. Ouais. Service. En tout cas, on connaît dans une bataille toute coupe permis, une bataille politique, on compte dans l'abdi ça là. Et toute coupe permis. Et ben là, il y a un chèque Pasteur Forge hein qui prend la rue. Arriéré de salaire et Forge Jean Gardi hein, Forge Jean Gardi arriéré de salaire 68600 gourdes qui prend la rue là. Et bon débouté non ça échec gouvernement te kon bay non arrière de salaire c'est à dire son employé l'état hein c'est employé l'état qui voilà c'est chèque la sorti qui sous qui ministère ministère de l'économie et des finances ministère des finances. Ah bon. Ministère des finances son employé mais qui ça mais est-ce que le fait que vous soyez employé non, l'état le fait non mais est-ce que le fait que vous employez l'état non, mais que, ou l'état n'appartient pas à une personne ou à un groupe de personnes hein c'est l'éclair oui vous me dites ça en tout cas son guerre parce de chèques en principe, hein? En principe les en fait gouvernement fait c'est pour affaiblir ou bien pour avilir oui debout en face zami ou te gintiba mais comme ça tout moun yo doit considérer malgré pasteur a te gen on gap d'ay nan men monsieur ça pas empêcher le prendre position comprendre ça Abdoulaye l'on fait là il capable de façon non mais ou gade moun ki employé l'état depuis sous plusieurs administrations sous plusieurs gouvernements oui, mais ça passé employé de l'état c'est pas gouvernement mais c'est pas l'état pas prendre mettre le dehors comme ça sans que gouvernement pas passer l'autre là. Ouais ça veut dire là. Non mais c'est l'état pas pour mettre le dehors tout. L'état pas pour mettre échec aux citoyens. Gouvernement frappé. Civil. Non, on pas demander gouvernement pour frapper. Oui mais c'est son bataille non, politique. Il faut continuer frapper. Son bataille politique, oui, 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 tout continuer frapper. Tout que permis. Donc l'œil fait ça tout ça démontrer que les sentil pour un gros coup. Oui. Hein? Ou bien senti, li sentil li pou un bon coup.